Merci pour votre présence à ce rassemblement de recueillement à la mémoire de notre chère concitoyenne Naïma Galwiti, décédée tragiquement le jeudi 30 janvier 2014. Au nom de sa famille endeuillée et sa communauté dévastée par la douleur, et au mon nom, comme humble organisateur de ce rassemblement, je vous dis merci. Merci à vous. Merci aussi à d'autres personnes. À Sherbrooke, à Québec et dans d'autres provinces canadiennes, à son pays natal, le Maroc, et un peu partout dans le monde, qui en ce moment même allume une bougie, cite une prière ou ont une pensée à la défunte. Votre présence ce soir, en si grand nombre, est la plus belle réponse à la haine. Pour que la mort de Naïma ne soit pas vaine, il est important pour nous, en tant que Québécois musulmans, et en tant que Québécois tout court, d'en faire un symbole de paix et de tolérance. Alors, chers amis, et par amour à la défunte, ne cédez pas à la provocation, ne laissez pas la colère s'emparer de vos cœurs, et surtout, surtout, ne répondez pas à la haine par la haine. Par contre, la famille et sa communauté exigent des autorités de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité au sujet de sa mort. Naïma n'était pas juste un folard. Naïma était une citoyenne engagée et dévouée. Naïma aimait le Québec et s'en allait tranquillement pour son cours de français. Naïma était une maman dévouée et douce envers ses deux enfants. Naïma était une femme amoureuse de son mari et formait un couple merveilleux. Naïma avait ses valeurs qu'il n'a imposées à personne. Il vivait sa vie et rêvait d'un lendemain meilleur pour sa famille et ses enfants. Naïma est partie. Naïma, tu n'es pas partie. Naïma, tu resteras éternellement dans nos cœurs. C'est toi qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est toi qui nous donnera la force et le courage de passer à travers ces moments d'incertitude. Sois cette lueur de soleil qui réchauffera nos cœurs et brillera sur le Québec. Un Québec fort, un Québec uni, un Québec pour toutes et tous. Merci Naïma. Repose en paix. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Salam alaykoum. Merci d'être là au nom de Naïma. Naïma est une femme qui était impliquée chez elle, qui avait choisi Villeray avec son mari et ses enfants pour y faire sa vie. Elle nous a quittés d'une façon dramatique. Ce qui est arrivé est horrible, et je le comprends et je le sens. On ne peut pas permettre à personne d'avoir une fin comme celle-là. Et aujourd'hui, votre présence va faire en sorte qu'on va se rappeler de Naïma, à tout jamais. Naïma aurait aimé qu'on puisse continuer à penser à elle avec tout le travail qu'elle a fait parmi nous. On est là pour ça. On fera la lumière sur ce qui s'est passé, je peux vous en assurer, je vous donne ma parole que je vais suivre le rapport du coroner et vous allez être informés. Merci. Et rappelez-vous aujourd'hui qu'on est ici pour une femme qui nous a quittés trop jeune, trop vite, et un mari qui n'a pas eu la chance de la saluer avant son grand départ. Alors aujourd'hui, merci pour votre présence. Son mari est là pour vous recevoir. Et si vous avez le temps et le goût de pouvoir les aider, il y a une boîte de dons devant. Gênez-vous pas, l'argent va être nécessaire pour les enfants et pour la famille. Donc, vous viendrez devant, il y aura une boîte qui est là destinée pour elle. Et s'il vous plaît, pensez à elle en bien. Et ce n'est qu'à nous revoir, on va la revoir un jour. Alors, Naïma, regarde. Merci. Assalamu alaikum. Au nom des citoyennes et citoyens de Vio, je veux partager mes plus sincères condoléances avec monsieur et toute sa famille. Et moi, ce à quoi je pense particulièrement, c'est à une bénévole, à une femme qui a choisi de venir vivre ici, en paix, dans notre société, et de définir un nous québécois, un nous inclusif.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Moi à vous dire, mais je suis en choc et en dé. Je vous remercie beaucoup ce rassemblement ici pour mémoire de ma femme qui était énorme, extraordinaire, une femme courageuse, une femme fidèle. J'implore de prier pour elle. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et la même tristesse qu'on ressent, c'est pour ça que ça me touche vraiment beaucoup. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentées à la maison. J'étais présente avec toutes les gens qui m'ont présenté leurs condoléances. J'ai vraiment senti que ça venait du cœur. Et puis je remercie mes frères, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, je remercie mes frères musulmans, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont présentées, québécois, québécoises. J'ai vu des personnes qui ont appelé de partout, de Toronto, de Québec, de France. Je sens que cette histoire touche tout le monde et puis d'après la conversation que j'ai eue avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, je suis consciente que vous voulez connaître la vérité parce que c'est ce qu'on veut savoir aussi. On entend des histoires de droite à gauche. Et puis on nous balance des histoires qui sont pas vraies, la presse raconte des trucs qui sont totalement fausses, comme elle raconte des choses qui sont positives. Je suis vraiment... Je sais que vous voulez la vérité, et puis on l'attend tous. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on a entendu, on n'est pas capable vraiment de savoir ce qui s'est passé. Donc je vous promets à toutes les personnes qui partagent cette tristesse avec mon pardon, que dès qu'on aura plus d'informations, vous serez les premiers à le savoir, parce que... Vous nous soutenez, vous êtes avec nous, donc c'est sûr que vous le serez. Merci beaucoup, on ne vous cache rien, vous êtes là pour nous. Et puis on le sent, on le sait, vous êtes là avec le cœur. On le sait, c'est le plus important, on est tous solidaires. C'est un moment de joie pour moi en ce moment, parce que vous partagez ma tristesse, vous partagez la tristesse avec toute ma famille. Aujourd'hui, c'est une marque de solidarité pour la famille, pour Naïma qui nous a quittés trop vitement, pour Naïma qui a été victime d'un bête accident horrible, une fin atroce. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la solidarité des gens qui étaient pour dire à la famille « Merci, on est là, on va se souvenir de Naïma. » Naïma était quelqu'un d'important. Naïma a marqué la vie de toutes les femmes, tous ceux qui ont passé par elle dans l'organisation où elle était bénévole. Naïma était une grande femme. Naïma n'était pas un foulard. Naïma est une femme, une mère de famille, une personne qu'on va se souvenir toute notre vie. Alors aujourd'hui, moi, c'est ce que je retiens de cet événement qui se veut une solidarité pour la famille. Merci, Mme Sanson. Et vous, M. Hertel, que pensez-vous vraiment de cet événement aujourd'hui et de la tragédie? Bien, Annie Sanson a très bien parlé, puis je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Aujourd'hui, je pense beaucoup à ce que ça veut dire le « nous », le fameux « nous » québécois. Ce soir, on a vu des gens de plusieurs religions, de plusieurs origines culturelles, tous ensemble en témoignant d'un grand élan de solidarité. Mais ça dit quoi? Ça dit fondamentalement nos vraies valeurs, c'est quoi? C'est de la tolérance, c'est de l'inclusion. Puis, faut se souvenir que cette femme-là donnait de son temps, elle était une bénévole, elle travaillait pour l'insertion des immigrants et des immigrants dans notre société. Et puis, ce soir, c'est une grande marque de compassion envers la famille, envers toutes nos diverses communautés ici qui vivent ensemble, ici à Montréal. Puis ça envoie un grand message clair que le « nous » québécois, c'est un « nous » de tolérance, d'inclusion,
de diversité et de solidarité. اسمي باسم الكونغري المغربي او كيبيك تنقد متعازي ديالنا للعائله ديال نعيمه وكيف قلنا كلنا في هذا كيفنا الكره تقدر تكون الاخت ديالنا ولا جاره ديالتنا ولا من العائله ديالنا يعني كلنا مصابين بهذا الشيء اللي حدث ليها وتنتمنى ان شاء الله ان العائله ديالها يصبرهم ويصبر الاولاد ديالهم العزاء ديالنا وعزاء كبير للجاليه المغربيه كامله والعائله ديال نعيمه Je pense que l'hadith ne doit pas être observé parce qu'il y a beaucoup de métro phare, il n'y a pas de sécurité, métro Iberville aussi. Je pense aussi à la presse locale qui a pris le sujet, entre parenthèses, hijab, et pas un sujet comme un fait divers ou un accident. Je pense qu'ils voulaient juste enrichir leur marche vers la charte en tenant compte que le hijab c'était la cause originale de l'accident. Franchement, je suis très content de cette interview. Je vous remercie pour vos condoléances. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues, qui sont déplacées, qui nous ont donné de leur temps. Alors, Naïma, comme vous savez, c'est une personne quand même très dynamique, très active, très intelligente, qui aime bien le Québec, qui aime les Québécois, qui a voulu participer à la société québécoise, comme tous les immigrants. Alors, malheureusement, le temps ne lui a pas donné cette chance. Il est arrivé ici au mois de mai 2013. Il est reparti vers Dieu en janvier 2014. Alors, il a deux enfants, un qui a 10 ans, l'autre qui a 6 ans. Il a toujours aimé le Canada, il a toujours aimé le Québec, il a toujours aimé la communauté québécoise. Donc, c'est une personne qui est perdue pour le Québec. Le Québec a perdu une personne comme Naïma. Alors sans problème, ou bien l'accident qui est arrivé ici, c'est un accident quand même qui est méconnu jusqu'à présent. On attend le rapport du coroner, on attend le rapport de l'autopsie, et après, nous sommes prêts quand même à dire ce qu'on pense. Je vous remercie, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus. Je remercie aussi les gens, les mauvaises langues qui ont parlé de nous. Nous, on les aime, si eux, ils nous haïssent, nous, on les aime. Pourquoi ils nous haïssent? Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Il faut qu'ils cherchent pourquoi on est là et pourquoi on les aime aussi. Hein. Vous comprenez? Il y a des gens et des mauvais. Nous sommes parmi les bons. On aime les bons. Et les mauvais aussi, on veut qu'ils deviennent bons. Vous comprenez? Alors comme ça, la société sera homogène et tout le monde aime tout le monde. Et on va vivre dans la paix. Je voudrais d'abord vous remercier parce que vous avez organisé ce magnifique événement. Puis grâce à vous, des centaines de personnes ils ont pu venir aujourd'hui, ce soir, pour nous présenter leurs condoléances, même s'ils l'ont fait durant tous les trois jours qu'ils ont précédé. Des vingtaines, des trentaines de personnes venaient toutes les heures pour nous présenter leurs condoléances. J'apprécie vraiment, toute ma famille apprécie. J'étais là avec eux, j'ai entendu leurs témoignages, comme quoi ça les touchait énormément. Et puis ça me touchait aussi parce que c'est comme s'ils partageaient cette tristesse avec moi. En fait, ils la partageaient avec moi. Donc, chanter moins de douleur, chanter que d'avoir des femmes âgées, des femmes jeunes avec moi qui... Comment dire, qui nous protégeait, qui partageait cette douleur avec nous. Donc ça, premièrement, j'apprécie beaucoup. Ensuite, si, comme vous m'avez dit, vous voulez savoir qu'est-ce que je pense un peu de la situation. Bah, d'abord, c'est une mort tragique, effectivement. Ça, on peut se l'avouer, c'est une mort choquante parce que tout le monde voudrait mourir tranquillement chez lui, d'une crise cardiaque ou peu importe. De toute façon, la mort, c'est pas très important. C'est pas doux, mais ça vient de Dieu. Alors tout ce qui vient de Dieu reste doux, reste... C'est le destin. Donc c'est comme ça que les musulmans arrivent à se calmer. Parce que... Ça veut dire on est toujours solidaires. Et puis je suis contente qu'aujourd'hui... Que j'ai pas vu seulement des musulmans aujourd'hui. J'ai vu toutes sortes de religions, toutes sortes de nationalités. Et puis les appels qu'on a reçus, on a reçu des appels de Toronto, de Québec, de France, d'Italie même. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, la sonnerie de la porte n'arrêtait pas de sonner. Et puis ça me faisait vraiment chaud au cœur.
Je suis consciente aussi qu'aujourd'hui, toutes ces personnes se posent beaucoup de questions. Je me pose aussi beaucoup de questions. Malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui parce que moi non plus, je n'ai pas de réponse. Ma famille n'a pas encore des réponses. On n'a pas encore reçu le rapport d'autopsie. Et puis, il reste seulement de dire ce que la presse dit, ce que les gens racontent. Je voudrais dire aux gens de ne pas croire n'importe quoi, que Naïma était une personne très souriante, elle était très généreuse, elle faisait beaucoup de bénévolat, elle aidait beaucoup de gens, elle aimait ça être proche des gens, elle était très sociable malgré qu'elle était réservée parce qu'elle ne parlait pas sur les gens, elle était une personne vraiment sympathique, ça sans exagération. La seule image que j'ai d'elle, c'est un sourire et puis je suis contente que ça soit la seule image que j'ai d'elle. Bref, je voudrais dire à toutes ces personnes, tous ces commentaires qu'on a entendus, parce que ces gens, il y a des gens qui sont choqués comme moi je le suis. Heureusement que j'ai pas lu tous les commentaires, mais la minorité des commentaires que j'ai entendus sont désagréables, bien sûr, ils sont inhumains, ils sont pas réfléchis du tout. C'est des gens qui sont pas du tout mal, qui sont mal informés, ils savent pas. C'est facile de dire des mauvaises choses, c'est facile de dire des méchancetés quand vous connaissez pas la personne. Je voudrais dire à toutes ces personnes de demander à Dieu de la bénir. Je veux dire, c'est la moindre des choses que vous pouvez faire maintenant que vous avez dit toutes ces méchancetés, parce que je vous affirme que tout ce que vous avez dit n'est pas vrai. Je vous affirme que c'était une personne inoubliable. Et puis, même si, admettons que ce soit une personne qui est méchante, on ne parle pas ainsi, on ne parle pas ainsi des gens. C'est inhumain. C'est pas comme ça que vous allez améliorer le monde. On devrait travailler sur soi-même avant d'essayer de parler sur les gens. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et puis je voudrais dire, demander à Dieu, Allah yarhamha, pour les gens qui comprennent, Allah yarhamha, Allah yaghfir liha, Allah yusa' liha, c'est le plus important. Da'awa dialkoum katoussal, ou anaya farhana belli had l'incident, il a fait en sorte anna des milliers de personnes d'abord qui t'rahamou aliha. C'est la seule chose qui farhatni fait de la situation. Anna Allah j'alha, anna t'araf bel khair, ou Allah t'rahamou aliha. Qu'est-ce qu'on djeria l'arabie ou l'muslima? كيفك اللي ضامنت معايا في هذه الفاجعه اللي صابت المرحومه نعيمه غرويتي، وكنشكرهم شكرا جزيلا. شوف اختي، انا نعيمه عرفتها يعني تلاقيت معها دو فوا في لورغانيزم فيل غيدون ليست، وباسكو نخدموا كيف كيف بينيفول لابا بينيفولا، وكنا كيف كيف نديروا لو كور دونجلي، ولكن مالوغوزمون تلاقيت معها غير مرتين. مي اول مره شفتها حبيتها. علاش حبيتها؟ باسكو لقيت فيها اون فام سوريونت، يعني فيفونت، اللي عندها بوكو دو طموحات، عندها بوكو دو وكانت تحكي لي، قالت لي جو سوي نوفال ايسي صافي با لونتون كو جو سوي فوني ا مونريال و aussitôt. Mais depuis ce jour-là, je ne l'ai pas vu. Mais une autre fois, je l'ai rencontré avec elle sur le chemin. Je n'ai pas parlé avec elle. J'ai fait comme ça. Seulement, elle était partie. Je ne sais pas où elle est partie. Mais quand j'ai entendu que je ne savais pas que c'était elle qui est morte, quand j'ai vu la photo de elle sur Facebook, j'ai pleuré beaucoup. حتى في الدار يعني كما يقولوا جي روندي الكليما لا ميزون تريست. و اياغ جي شيرشي على الانترنت بور تروفي لادريس او بيان كيلك شوز بور الي لا فوار او بيان بور ايدي سون ماري. بون نساعدو باش قدرت، ماشي حاجه. مي جي ابلي اون امي سون ماري ما دوني لادريس، اي اياغ جي ايتي ا لا ميزون عطيت لها يعني واش نقدر، ساعدتهم باش نقدر. Oui, bah, je suis venue juste pour partager la tristesse avec sa famille, parce que vraiment je fais abstraction à sa religion, à son origine. C'est juste parce qu'elle est une femme et une maman de deux enfants. Donc ça m'a fait de la peine de voir une mort tragique à ce point-là. Puis en tant que maghrébine, je pense que mon droit est de participer à cet événement qui n'est pas malheureusement heureux. Puis j'espère que son âme repose en paix finalement. Pourquoi ce rassemblement ce soir?
Alors ce rassemblement, c'était la moindre des choses. C'est une initiative que j'ai prise avec mes amis, avec mon réseau. Et le but essentiel était d'apaiser les esprits et de faire le deuil à Naïma qui nous a quittés si tragiquement. Alors ce soir, c'était un succès. On a tous été touchés par la présence et par les gestes de la communauté et des Montréalais aussi en général. Je pense qu'un message était envoyé ce soir, comme quoi on est solidaire face à la douleur, mais également face à la haine. Alors j'espère qu'on va tous et toutes tirer des conclusions de ce qui est arrivé et qu'on se ressaisisse un peu et qu'on puisse lever la tête à nouveau et qu'on construise un Québec fort et uni pour tout le monde.